On va prendre des nouvelles du web avec Julia aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui vient d'être mise en ligne par Reporters sans frontières, c'est ça? Tout à fait, oui. Mmh. Reporters sans frontières balance une plateforme pour poursuivre les enquêtes qui concernent les journalistes assassinés. C'est une plateforme très importante. Ce projet s'appelle Forbidden Stories. Il a pour vocation de mettre fin à une certaine impunité des auteurs de ces crimes. Le projet souhaite d'un côté continuer les enquêtes concernant l'assassinat de ces journalistes, mais aussi ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont menacés, et aussi attirer l'attention sur ces assassinats et sur les sujets sur lesquels ces journalistes travaillaient. Alors vous l'avez compris, cette plateforme, elle est là pour provoquer un buzz et peut-être de cette manière exercer une certaine pression médiatique sur certains gouvernements, certains pays qui souffrent de la corruption. Merci à suivre sur le site de Reporters sans frontières.